Bonjour. Alors, ce matin, on va faire l'étude de Romains, chapitre 1, verset 18 à chapitre 1, verset 32. Et puis, je vais commencer maintenant. Lors de notre première étude du chapitre 1, verset 1 à 17, nous avons vu que Paul se présente comme un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu ou la bonne nouvelle de Dieu. Après avoir introduit la bonne nouvelle de la justice qui vient de Dieu, on a vu ça dans Romains 1, 17, un thème que Paul va développer avec plus de détails dans Romains 3, 21 à 5, verset 21 aussi. Paul présente la preuve accablante de l'état de l'homme pécheur et son besoin désespéré de la justice que seul Dieu peut donner. Alors, on va commencer au verset 18. Je vais lire le texte pour commencer, 18 à 32, là. OK. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et verset 32, c'est « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font,
mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Alors, on va commencer avec les versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, si Paul a commencé par la justice de Dieu, il entame maintenant le sujet de la colère de Dieu. Les versets 18 à 32 touchent les païens et après, il parlera des moralistes et des juifs. Paul dit que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété et toute injustice des hommes. L'impiété est le premier et le plus grave des péchés, car c'est le refus de reconnaître et d'adorer le seul vrai Dieu. L'impiété est une attitude de mépris envers Dieu. L'impiété consiste à remplacer Dieu par l'homme, la nature, les statues, etc. C'est placer sa confiance en l'homme plutôt qu'en Dieu. Tous les autres péchés et toutes les autres injustices des hommes découlent de l'impiété, c'est-à-dire du refus de se soumettre à Dieu. Les injustices sont toute action qui déshonore Dieu et qui sont à l'encontre de sa pensée. Ces hommes qui agissent ainsi retiennent injustement la vérité captive. Mais on peut se poser la question, de quelle vérité est-il question? Paul nous le dit dans le verset 9, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Qu'est-ce que l'homme pouvait connaître de Dieu? Allons alors au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu dit que la création nous révèle ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. Et pour cette raison, l'homme qui ne reconnaît pas cela est donc inexcusable. Combien d'astronomes et d'astrophysiciens sont complètement dans l'erreur? Ils peuvent mesurer la vitesse de la lumière, les dimensions de la Terre, de la Lune, du Soleil, des planètes et des galaxies. Ils reconnaissent les merveilles de la nature, mais ils n'attribuent pas cela à Dieu, mais au Big Bang. Si nous adoptons leur théorie du Big Bang, alors d'où provenait cette matière qui a causé le Big Bang? Ils ne vont jamais plus loin que le Big Bang. Alors, comme Dieu le dit, ils sont donc inexcusables. Allons maintenant au verset 21 à 23. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, Paul dit qu'en voyant les merveilles de la nature, l'homme a connu Dieu, mais il ne l'a pas glorifié comme Dieu, mais il a plutôt rendu gloire à des images représentant l'homme, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles.
Ils se disent sages, mais le verdict de Dieu est « ils sont fous ». Même chez les Juifs, Moïse a eu beaucoup de difficultés avec le peuple qu'il conduisait dans le désert. Il a dû combattre les idoles et le veau d'or pour imposer Dieu, le seul et l'unique. Chez les Grecs de l'Antiquité, c'était pire. Il y avait des dieux et toutes sortes de petits dieux et déesses auxquels il fallait rendre des dévotions. Jésus-Christ est arrivé pour annoncer la foi en un seul et unique Dieu. L'Église catholique a vécu et vit encore les mêmes problèmes avec ses saints, ses statues, ses icônes. L'Église adorait et vénérait Marie et les saints plus que Jésus. Au temps de la Réforme, les protestants ont apporté des changements. Ils ont protesté contre les idoles qui prennent la place de Dieu. Allons versets 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, c'est écrit, Dieu les a livrés. Cette phrase est répétée trois fois, versets 24, 26 et 28, et elle nous donne des frissons. Oui. Le verbe livrer signifie mettre à la discrétion ou en la possession de quelqu'un. L'homme qui refuse de glorifier son Créateur est livré à lui-même. Il n'a plus de perspective divine, ni sur la vie, ni sur le bien et le mal. Ayant évacué le Créateur juge, il devient lui-même juge de toute chose. Il pense n'avoir de compte à rendre à personne, et cela se voit dans son comportement. Premièrement, il est livré à l'impureté, selon les convoitises de son cœur. Dans un sens moral, l'impureté signifie l'impureté sensuelle, luxure, recherche sans retenue de plaisir sexuel, corruption, dépravation. C'est comme si Dieu disait « Tu as la preuve que je suis Dieu, mais tu ne veux pas me reconnaître comme Dieu. » Et vive selon mes standards. Alors vas-y, vis à ta façon, selon les convoitises de ton cœur. Déshonore ton corps. Pourquoi Dieu fait-il cela? Paul le dit au verset 25, « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Le plus important de tous les péchés n'est pas le mal fait au prochain ou l'absence d'honnêteté. C'est l'idolâtrie qui vient de l'impiété. Dieu s'est révélé avec assez de clarté pour faire de l'impiété une perversion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impiété? C'est le caractère de celui qui est impie. Mépris pour les choses de la religion. Qu'est-ce que c'est que impie? Qui n'a pas de religion ou qui offense ou insulte la religion. Alors on peut voir là, qu'est-ce que c'est? Dieu s'est révélé avec assez de clarté pour faire de l'impiété une perversion, comme j'ai dit tantôt. On va continuer avec les versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Deuxièmement,
Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ces passions étaient viles, honteuses, dont certaines ne peuvent même pas être nommées. On dit que la sodomie, donc il y fait référence ici, était pratique courante parmi les Romains du premier siècle. Et certains écrivains en parlent sans la moindre honte. Elle n'était interdite ni par la religion, ni par la loi, et était avouée très ouvertement. Dans ces deux versets, nous voyons très clairement que ces passions infâmes concernant l'homosexualité, tant chez les femmes que chez les hommes, on dit que certaines grandes villes du monde ont jusqu'à 10% de couples homosexuels. On remarque que plus que les gens arrêtent de se soucier de Dieu, de le respecter et de l'honorer, plus que les passions infâmes augmentent. Il n'y a jamais eu autant d'incrédulité dans notre société qu'il y en a maintenant, et il n'y a jamais eu autant d'homosexualité qu'il n'y en a maintenant. Soit que nous sommes dirigés par Dieu ou par Satan. Si Dieu est rejeté et n'a plus sa place, Satan a toute la place. Poursuivons avec les versets 28 à 31. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Au verset 26 et 27, Dieu les a livrés à des passions infâmes, ceci, comme homosexualité. Au verset 28 à 31, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. J'ai dressé une liste de mauvais comportements qui n'est certainement pas complète. Et c'est surprenant que tout ceci a commencé que par une désobéissance. Voyons la liste. Abus sexuels, adultère, agressivité, amertume, animosité, arrogance, avarice, blasphème, calomnie, colère, collusion, concubinage, convoitise, cupidité, débauche, dépendance, désobéissance, égoïsme, envie, esclavage, escroquerie, exagération, fanfaron, fornication, fraude, haine, hautain, homosexualité, idolâtrie, impiété, indifférence au mépris de Dieu, impureté, incrédulité, infidélité, injure, injustice, ivrognerie, jeu, jugement, lesbianisme, lubricité, penchant pour les plaisirs sexuels,
luxure, malignité, manque de maîtrise de soi, masturbation, mauvaise pensée, méchanceté, médisance, menace, mensonge, meurtre, oisiveté, orgueil, paresse, prostitution, querelle, reporteur, rébellion, révolte, ruse, séduction, soupçonner le mal, trahison, tricherie, vantardise, vengeance, viol, violence, vol, vouloir du mal à mon prochain. Le théologien Frédéric Godet dit « Il y a une conformité entre la nature du châtiment et celle de la faute. Ils ont péché, c'est pourquoi Dieu les a punis. Ils ont péché en dégradant Dieu, c'est pourquoi Dieu les a dégradés. » Et maintenant, on va terminer par le verset 32. « Et bien qu'ils connaissaient le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Ainsi se caractérise le péché parvenu à maturité. Ils cessent de se cacher, ils s'exhibent avec orgueil, bravant toute loi ou toute norme morale. La conscience, une fois violée, cherche sa justification. D'abord, dans l'approbation du mal, puis dans la tentative désespérée d'entraîner le plus grand nombre dans la même déchéance. Tout cela accompagné d'un mépris mal déguisé, pour ceux qui vivent sur un plan plus élevé. Notre société actuelle vit les mêmes problèmes que la société du temps de Paul et la cause est toujours la même. Le rejet du témoignage de la conscience et de la création, la multiplication des faux dieux fabriqués par les hommes, lorsque sont coupées les sources de la vie, il n'y a place que pour la déchéance. Car nous dénigrons ce que nous refusons et nous nous efforçons de ressembler à ce que nous idolâtrons. Ce paragraphe du premier chapitre de l'Épître aux Romains, les revues et les journaux contemporains le réécrivent sans cesse à leur manière. Mais ce témoignage produit-il en nous l'horreur du péché, le dégoût salutaire qui nous jette plus intimement dans les bras de Dieu? Ou bien avons-nous fini par nous laisser vacciner jusqu'à la complaisance ou le plaisir inavoué? Alors, ce premier chapitre nous a fait découvrir la colère de Dieu contre toute impiété et toute injustice, en particulier contre ceux qui n'ont pas reconnu le Dieu infini, bon et juste dans les perfections de la création. Ce sont les Grecs, terme qui inclut tous les non-juifs, les ignorants de la loi de Moïse qui sont visés. Ils ont transformé la gloire de Dieu en idole. Dieu les a donc livrés à leur propre idée et ils se sont enfoncés dans l'immoralité et des péchés de tout genre, au point de confondre le bien et le mal. La sentence prononcée à leur égard est claire et juste. Ils sont inexcusables. Alors, ceci termine notre deuxième enseignement là, dans l'Épître aux Romains. Alors, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.